Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Corée Web TV pour votre rendez-vous mensuel de Corée Kibaru Turbine COVID-19. Je vous laisse découvrir le contenu de ce 15e numéro. Zoom sur les messages de deux éminents artistes, M. Amara Sylla, Amsil pour les intimes, qui est plasticien, et le maestro Cheikh Tidiane Seck. Ensuite, la partie Focus Info sur les actualités scientifiques en rapport avec la COVID-19. Et enfin, les sketchs sur le lavage des mains au savon produits dans le cadre du plan COVID-19 de Ouattari du Mali et ses partenaires. Suivons ensemble. Ce virus-là, moi, de façon philosophique, je prends comme si c'est une vidange. Nettoyer après le COP21 concernant l'environnement. Je dis, ce même environnement est touché par un virus et on souhaite que ça s'éloigne très vite pour que les activités reprennent. Moi, ça me donne le temps de réfléchir et de penser à une autre manière de vivre. Vous voyez, moi, je suis redescendu sur Terre. Je vais des grandes toiles à la petite toile. Et je les appelle des patchwork. Je les appelle des mosaïques. Des petits tableaux comme ça, ça fait comme si c'était des livres de poche. Alors, je dis à tous les artistes de revenir sur Terre et de réfléchir à pas mal de solutions. Autant on a créé les anti-spam, les antivirus et tout, et pour les ordinateurs et tout, et l'homme trouvera la solution pour sortir de ce marasme qui est là. Je vis ce moment de façon philosophique. Sinon, c'est dur. Hein. Nous vivons difficilement et nous devrons essayer plutôt, nous les artistes, d'éliminer cette paresse intellectuelle et de travailler d'arrache-pied pour préparer l'après-virus. J'essaye d'assainir mon entourage pour que le virus ne vienne pas se mêler à ça. Et je suis sûr que c'est avec la réflexion qu'on trouvera le maximum de choses. Et je remercie la fondation du festival sur le Niger qui a pensé d'abord à la matière première que nous trouvons sur place ici. Le festival a évolué avec les produits locaux. Et jusqu'à créer un centre qu'on appelle Centre Corée. Voilà. Et je souhaite que la jeunesse puisse aller de l'avant et trouver une solution meilleure. Chers compatriotes, maliennes, maliens, je m'adresse à vous à travers cette tribune de Corée, car l'heure est grave. La pandémie qui pend à nos frontières est destinée à l'humanité entière. Nous verrons désormais un monde après coronavirus, après COVID-19. Il nous a mis à genoux tous, puissants, faibles, pauvres, riches, vieux, jeunes. Toute conviction spirituelle confondue, il a touché tout le monde. C'est une force invisible. Mon humble message serait de dire, pour prévenir ce mal si dramatique pour l'humanité, observons les mesures d'hygiène stipulées par nos instances sanitaires. Je profite de ce moment-là pour jouer et aussi lancer un appel aux instances culturelles, universelles, je dirais, pour ne pas dire maliennes aussi. Pensez aux artistes en herbe qui
qui n'ont aucun autre moyen de subsistance que leurs concerts et leurs studios, séances de studio. Tout ça est mis à mal. Donc maintenant, je pense que s'il y a un geste à faire, ce geste devrait être justement pour ces démunis du monde culturel. Covid-19, coronavirus, go! Nous ne voulons pas de coronavirus chez nous, même dans le monde. Parole de guerrier. Continuez d'allaiter votre bébé, même si vous êtes infecté ou suspecté de l'être, car aucune trace du virus n'a été détectée dans les échantillons de lait maternel. Chers internautes, nous voilà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre et à réagir sur notre page Corée Web TV. Surtout, respectons les mesures barrières pour nous protéger et protéger les autres. Goodbye!